Je dois encore payer le loyer. Comment j'ai pu oublier? Mais je n'ai pas d'argent. Oh, qu'est-ce que je fais? La pauvre Mabel s'est fait expulser. Je dois appeler Viviane. Oh. Salut, Viv. Je me suis fait expulser pour ne pas avoir payé le loyer. Je peux dormir chez toi? Bien sûr. Viens. Ouais. Salut. Entre, je t'en prie. Oh. Voici tes draps. Et tout ce dont tu as besoin. Je vais me coucher. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. C'est pas très confortable. Ugh. Je vais chercher un meilleur endroit. Je ne peux pas dormir ici non plus. Ma belle s'installe dans le lit de Viviane. Elle s'endort rapidement. Hein? Merci pour l'oreiller. Où est-ce que tu vas? Et la poubelle alors? Ok. C'est quoi ce bruit? Oh. Aide-moi! Aujourd'hui, c'est le jour du nettoyage. Mettons-nous au boulot. L'endroit a l'air plutôt propre. Viviane est une maniaque du nettoyage. Son appartement doit être impeccable et toutes les affaires doivent être à leur place. Ok, je peux le faire. Viviane travaille plus vite et mieux qu'un aspirateur robot. Tant de mousse! Super! Il ne doit plus rester de poussière. Le nettoyage, ça n'est pas très amusant. Viviane peut nettoyer une salle de bain en quelques minutes seulement. Je vais frotter cette tasse, comme ça elle va briller. Regarde, cette tasse est si propre maintenant. J'ai vraiment fait de mon mieux. Elle se moque de moi, c'est pas possible. Pendant ce temps, j'ai nettoyé tout l'appartement. Et voilà, la journée nettoyage est finie. Oups! Il n'y a vraiment plus de place dans le panier. Je ne comprends pas. Au début, vivre avec sa meilleure amie semble être une aventure amusante. Vous faites des batailles de polochons tous les jours. Mais quand il s'agit de problèmes quotidiens, votre amie fait comme si ça ne la concernait pas. Lave le sol tous les jours. La chambre doit être propre. Et frotte la baignoire aussi avec une brosse. D'accord. Quand tu pars, vérifie le fer à repasser et éteins les lumières aussi. Tu dois partir. Salut. Ouf, je suis enfin libre. Salut Viviane. Salut. Pourquoi la chambre est en désordre? Oh, ça c'est rien du tout. Tout se passe bien. Je reviens vite. Qu'est-ce que t'as fait ici? J'ai juste essayé quelques petites choses. C'est tellement bizarre. Hein? Ma belle, encore combien de temps? Allez, qu'est-ce qui te prend autant de temps? Merci pour la serviette. C'est quoi cette histoire? Je suis en retard pour aller au boulot et tu ne fais que chanter. Oups. Oh, ma belle, tu n'as pas refermé le robinet. J'ai tellement froid. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es si chaude. Prenons ta température. D'accord. Ne te lève pas, je vais apporter ton médicament. Voilà ton thé. Waouh, tu as de la température. Il te faut un médecin.
Viviane s'occupe de sa colocataire comme si c'était sa mère. Mais quand Viviane tombe malade, Mabel agit complètement différemment. Oh, 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 je n'ai pas besoin de tes microbes. Attends, mais où est-ce que tu vas? Oh, il est temps de faire un nouvel emploi du temps. Je déteste quand les marqueurs ne sont pas fermés. Viviane a un programme quotidien strict. Extinction des feux à 22h. Ses bouchons d'oreilles et son masque de sommeil la protègent. Oh! Ouais, que la fête commence! Mabel, sa nouvelle colocataire, aime faire la fête et rentrer tard. J'ai un peu faim. Oups! C'est quoi tout ce bruit? Je dois juste entendre des choses. C'était pas moi! Oh, des céréales! Et j'ai très envie de soda aussi. Je pense que je devrais faire moins de bruit parce que ma colocataire est endormie. Une canette de Fanta! Je t'ai eu! Mais qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Ouh, je devrais me cacher. Donne-moi la serviette. C'est pour tes pieds! Ma belle! Viviane aime les fleurs et les plantes. La laitue, c'est sa préférée. Tu pousses tellement bien. Il faut que je m'entende avec ma colocataire. Je vais cuisiner quelque chose pour elle. Il manque quelque chose. Ne triche pas. Assieds-toi. Regarde, je l'ai faite moi-même. Bon appétit. Merci, c'est tellement gentil de ta part. C'est incroyable. Ça me rappelle quelque chose. Quoi? Oups. Mais pourquoi tu as fait ça? Maintenant, c'est agréable. Combien de temps encore? Laisse-moi tranquille. Hein? J'ai collé un chewing-gum sur la porte. Quoi? Fini la détente. Ok, et ça alors? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Il me faut un balai, tout de suite! Ça a marché! Le désordre ne me dérange pas du tout. Viviane, la maniaque de l'ordre, doit repasser quelque chose parfaitement. Regarde, il y a un pli. Oups. Elle a encore ajouté ses affaires en douce. Viviane gère facilement tous les vêtements supplémentaires. Waouh, bien joué. Maintenant, tu peux te détendre. Je vais mettre les affaires à leur place. Ma belle s'en sort très bien. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Les vêtements vont être encore froissés. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il y a un grippin ici? Quelqu'un n'a pas dû vouloir faire la vaisselle. Pizza? Ça, c'est vraiment trop. Viviane est tellement fatiguée d'avoir nettoyé toute la journée qu'elle va s'endormir avant même que le film ne commence. Oh, c'est l'heure de se coucher. Bonne nuit, ma belle. Qu'est-ce que je vais prendre pour le petit déjeuner aujourd'hui? Attends, quoi? C'est vide.
Oh, ma belle. Et le frigo est vide aussi. Il faut que je me reprenne. Ma belle, qu'est-ce que je suis censée avoir pour le petit-déj? Quoi? Tu as mangé tout ce qu'on avait! Ça, c'est pour toi. Il faut que je dorme un peu. J'ai la pire colocataire. Oh, ça fait mal! Depuis quand tout est ouvert ici? Psst! Va-t'en! Je ne veux plus te voir. J'ai fait le petit-déj pour toi. Bien, merci. On est meilleurs amis, bien sûr. Miam. C'est mon ordinateur portable. Ma belle! Qu'est-ce que je fais avec ça? Perk, il y a tellement de saleté. Viens, je vais te montrer. Tu vois, il y a plein de trucs et des brosses pour tout type de situation. Celle-là, c'est pour les chaussures. Ça, c'est ma brosse à dents. J'ai une surprise. Tadam! J'ai nettoyé. C'est vraiment propre. Bien joué. Vous avez aimé notre vidéo? Alors écrasez ce bouton pour vous abonner, liker la vidéo et cliquer sur la cloche. Ne ratez pas les vidéos fascinantes de Woohoo Wah Motion.